what he said. C'est pas rien, non, madame. On va venir, on va venir, c'est gratis, on va gagner 5 euros pour payer. On va comprendre, c'est pas rien que lié, c'est pas mettre ou pas mettre ou pas mettre ou pas mettre. C'est pas dans l'état ou pas mettre. À ton flacon et la ciel, s'il te plaît. Ton flacon et la ciel. Allez rapide, Thierry, je suis plus rapide. D'accord. Dans quelles conditions tu es brûlé, madame? C'est. Et vous avez fait préparer ce morphine pour nous. 3 mg morphine, s'il vous plaît. Comment elle s'appelle la petite? Comment elle est? De China. Il s'agit d'une petite fille de 7 ans qui a été brûlée avec du spaghetti ce matin. Donc sa maman est affolée, bien entendu. Elle est arrivée avec elle. Donc on est en train de la préparer pour bloc. Ce qu'on a fait pour ce pansement, effectivement, c'est laver, d'essayer de nettoyer, de décontaminer, comme on a dit. Comme on a dû commencer par le positionner d'une façon où on peut exposer le maximum de plaies, mais comme c'est effectivement difficile, donc on a dû d'abord laver la partie postérieure, ensuite la partie. On a dû quand même le mobiliser pour laver la partie antérieure, donc ça a demandé beaucoup de bras. Ça. Et on espère que c'est bon. Ici, non, notre population de brûlés, c'est surtout les enfants. Dans les accidents domestiques, ce sont les enfants qui sont le plus souvent atteints. Et souvent, les enfants jettent les casseroles, renversent les casseroles et se font imbiber d'eau bouillante ou d'eau chaude. Et... Enfin, pour ce patient, on a eu avant une patiente qui avait des brûlures très très profondes de troisième degré, mais ce n'était pas flamme. Mais pour elle, les conséquences sont au minimum pour elle.